je vous propose maintenant d'aller découvrir des startups du programme BeUp. Je suis Jérémie VEG, le CEO et cofondateur de Sopht. Sopht, c'est une solution logicielle qui est née fin 2021 et qui a pour objectif de mesurer, mais surtout de réduire, l'impact environnemental de l'IT. L'accompagnement avec BNP Paribas est déjà démarré après 6 mois d'existence. On est passé par le programme BeUp Explore, puis quelques mois après par le programme BeUp Accelerate. Et aujourd'hui, on se parle depuis les locaux du Y, où on a incubé depuis septembre 2023. Les bénéfices y sont nombreux. C'est un peu David qui rencontre Goliath, c'est la startup qui rencontre le grand groupe et qui va collaborer, qui va co-innover. Et donc cette capacité justement à savoir industrialiser un projet depuis sa phase pilote jusqu'à sa mise en production. Un mot, concret. Concret justement parce qu'on est passé de cette phase d'idéation avec BCEF IT à aujourd'hui un contrat signé sur 3 ans dont nous sommes très fiers. Bonjour, je m'appelle Salah et je suis le cofondateur de CleanMob. Ronan, fondateur de Siko Mobility, en charge de la partie business. Tristan, cofondateur de Siko Mobility, en charge de la partie gestion opérationnelle. Que fait votre startup ? Siko Mobility est courtier en financement. Chez nous, on aide les concessionnaires de roues à booster leurs ventes en permettant à leurs clients de payer de 3 à 80 fois de manière très simple. On travaille avec toutes les banques sur tous les produits de financement, crédit, leasing, paiement 3, 4, 10 et sur tous les véhicules de la petite mobilité allant du scooter au quad. CleanMob est une car green tech qui permet aux entreprises d'optimiser et décarboner leur flotte de véhicules grâce à de la donnée de conduite et de la donnée des véhicules. Concrètement, après 2 ans de R&D, on a développé une technologie propriétaire de Virtual Sensors qui nous permet de nous passer de boîtier OBD, d'un boîtier télématique hardware, un gain de temps assez important par rapport aux solutions disponibles sur le marché. De quelle façon êtes-vous accompagné par BNP Paribas ? Alors BNP Paribas, pour nous, Siko Mobility, c'est un partenariat privilégié d'un point de vue business. On travaille avec plusieurs entités du groupe BNP Paribas, Floa par exemple, sur le paiement fractionné de 3 à 10 fois. C'est aussi un accompagnement qui nous a permis de grandir. On a rejoint jeunes les programmes d'incubation de BNP Paribas, BeUp Explore et BeUp Accelerate par la suite. Ça nous a permis de bénéficier d'ateliers, d'expertise sur lesquels on a pu s'appuyer pour mieux structurer notre business. Et enfin, je dirais que le troisième point, ce sont les perspectives. On est en discussion avec plusieurs entités pour continuer à étendre nos liens business, pour apporter notre savoir-faire et bénéficier du savoir-faire de la première banque d'Europe. L'accompagnement est très fructueux pour nous sur 3 axes principaux, notamment un programme de mentorat, l'organisation d'événements et d'ateliers sur des besoins qui nous intéressent et des besoins d'actualité pour les startups. Et en dernier point, des mises en relation avec des filiales du groupe BNP Paribas pour qu'on puisse creuser des synergies possibles avec les startups. En un mot, comment vous qualifieriez cette expérience ? Collaborative. On a été marqué par la dimension collective de cette expérience chez BNP Paribas. On nous a ouvert les portes aux directions métiers. On a rencontré différentes business units, comprendre leurs problèmes, trouver des solutions ensemble, collectivement. On a eu la chance de participer à des événements corporate, interne ou ouvert au monde extérieur. Et désormais, on est fiers de pouvoir faire partie de l'écosystème BNP Paribas. C'est ici que notre exploration s'achève. J'ai trouvé ça très inspirant, pas vous ?